casser la glace avec ma face. Bienvenue chez nous. Comme tout le monde, nous aussi, on est en confinement. On avait des beaux contrats, des belles activités à aller faire pour vous tourner des beaux vlogs. Ils n'ont pas été annulés, mais ils ont été reportés. On ne sait pas quand est-ce qu'on va pouvoir aller les tourner. Fait que là, Joe, on fait quoi? C'est moi qui décide. Ouais. On fait des tâches ménagères. Okay. On est à la maison. On va faire du lavage. On peut allaiter bébé en faisant la lecture. Dans une journée ménage comme ça, ma tâche préférée, c'est définitivement donner le bain à Laurent. Moi, c'est assez, là. Je vais dehors. Ça va? Ça va? T'es fendu, allez! Ouais. Ouais, t'es fendu un peu où le ton est. Ah, au minute? Ah, ouais? Ouais. Ah ben oui, je suis comme écorché. Cette année, nous promenons beaucoup avec nos chiottes, les skis raquettes, les skis bruns finalement. Et puis, vous avez été plusieurs à nous demander « Ouais, mais c'est quoi ça des skis raquettes? C'est quoi la différence par rapport à des raquettes normales? » En fait, ça vaut vraiment la peine. C'est la vie, c'est toute la différence. Aujourd'hui, c'est une journée qui est super coupée. La neige. Puis, en raquette, là, tout ce que j'entends, je me promène, j'entends « scrum, scrum, scrum ». Puis là, des fois, mon pied défonce pas. Lui, il est en ski, à côté de moi, je ne l'entends même pas arriver et il glisse tout doucement sur la croûte. Fait que, avantage numéro un, ça porte vraiment mieux le poids. Les skieurs, ça marche plus! Un des principaux désavantages, par contre, du ski-hawk, c'est que tu te retournes pas sur un 10 cm. Ben, encore là, mais... Bon, contrairement si je dis pas qu'il raquette... Ouais, entre les deux jambes. C'est ça. Ça va mieux en raquette. Pour du monde comme Phil puis moi, le ski raquette, c'est vraiment ce qui est le best parce que ça nous permet d'aller dans grosse poudreuse, d'aller n'importe où, de faire de l'arrière-pays. Donc, dis-nous dans les commentaires, toi, t'es-tu plus du type d'aller faire du sport dans un centre, là où c'est déjà tout organisé, ou t'es plus du type sauvage et arrière-pays comme nous? Donc voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère que t'as aimé la vidéo. Mets un like, partage la vidéo, commente-la. Et puis, pense à nous suivre autant sur Facebook, Instagram et YouTube. Et on se dit à une prochaine fois!